Salut Tipol, c'est Visapol. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Et aujourd'hui, on regarde le magazine qui est juste en dessous de moi, qui contenait avant ce petit caméraman. Ouais! Et donc, il me filme aujourd'hui dans la boîte. Allez, on y va. Salut les gars, aujourd'hui, on fait ma review. Et MCHM Lego, il est pas là. Ben non. C'est moi, le caméraman. Dynamo Dog. Ouais, je m'appelle Dog, mais c'est Dynamo avant. Rien à faire. Donc, t'as vu ma caméra? Ouais, c'est pas pour rien que je suis caméraman. T'as vu? Donc, du coup, bah, ma caméra, elle est super bien. Et tu verras, ça, c'est celle que m'a fournie l'entreprise. Mais vu que je suis mécanicien aussi, bah, j'ai trouvé un moyen de la modifier. Bah ouais. Je suis un fou, moi. J'ai une belle veste. J'ai des beaux écouteurs, une belle coiffure, une belle barbe. Et au fait, bah, mon pantalon blanc, bah, c'est un lambda. Ouais, je l'ai trouvé dans un magasin de vêtements. Hashtag H&M. Et bah, ma caméra, elle est sympa. Et tu sais quoi? Bah, je vais te montrer comment la modifier. Alors, déjà, tu la retournes. T'enlèves ta caméra. Voilà. En fait, t'as juste besoin des roues si tu veux. Donc, t'enlèves la plaque. T'enlèves la plaque. Voilà. Tu prends les roues. Tu leur mets des grilles comme ça ou des tuiles. Comme tu veux. Moi, je préfère les grilles. Et tu lui mets une piste comme ça. Ici. Ensuite, tu lui rajoutes ça ici. Après, tu lui rajoutes la grille, ou une plaque, ou une tuile, comme tu veux. Je préfère les tuiles lisses, tu vois. Ensuite, tu peux lui rajouter la plaque. Et hop. Et après, tu lui remets la caméra. Tu verras, elle sera mieux comme ça. Mais genre, vraiment. Tu sais pas à quel point, genre. Tant je galère. Problème technique. Tu vois, il n'y a pas de tel rajoute la caméra. Et là, tu seras un dieu. Tada. Et voilà. Et comme ça, elle peut tourner à 360 degrés. Et tu peux toujours te mettre dessus. Comme ça, sur tes studios de cinéma, quand tu auras envie de retourner Spider-Man No Way Home, mais sur ta caméra et en Lego, bah, tu pourras. Hashtag Spider-Man No Way Home. C'était sympa à tourner. J'ai pris une nouvelle voix. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai bien aimé ma vidéo. C'est autour du magazine. Et 1, 2, 3. Coupé. Salut Tifol, salut Zafol. Deuxième prise pour pour ce magazine. Et aujourd'hui. Partie. On regarde en ce samedi, on va regarder ce magazine tout fraîchement sorti. Au moment où vous regardez la vidéo, tiens, le petit jeu, vous pouvez bah, encore le trouver dans votre rayon près, je pense. Voilà, ne me tapez pas si vous ne le trouvez pas. Là, une petite histoire. Pareil, dans tout ce genre de magazine, je ne vous montre jamais les histoires pour pas vous spoiler. Quelques petits jeux, vous allez voir, il y en a beaucoup. Après, on va pas se mentir, ce genre de magazine-là, elle peut s'adresser aux enfants qu'aux adultes, aux tifoles qu'aux affoles. Voilà, une autre petite histoire. Après, il faut avouer que la surprise est plutôt sympa. Encore des petits jeux. Encore des petits jeux. Encore des petits jeux. D'ailleurs, il y a aussi les nouveauté Lego Jungle là, c'est sympa aussi. C'est pas que du sens quoi. Il y a aussi du City Pompier, hein. Pimpon et Pau Policier. Encore un petit jeu et là une petite histoire. Encore des petits jeux.
Un dernier petit jeu pour la route et on finit après par les réponses et l'arrière du magazine. Donc une moto qu'on peut bien sûr retrouver dans les sets de la gamme Lego Stunts. Et d'ailleurs, je crois que c'est un de là. Pas du tout, je me suis trompée, ce n'est pas grave. Donc bah voilà, écoutez, c'est tout pour ce magazine tout fraîchement sorti. Et ben j'espère qu'il vous aura plu. Parce que moi, il m'a plu. Si je devais lui donner une note sur 10, je donnerais un petit 7 sur 10. Parce que rien n'est parfait. Parce qu'il faut bien donner une petite note. Donc ouais, non, franchement. La figurine est sympathique, on la retrouve pas partout et c'est pas que des pièces communes, donc voilà, non. Pareil comme le créateur ou deux choses comme ça, Lego City n'est pas à laisser de côté aux enfants, c'est pratique pour des villes Lego ou des choses, des machins. Mais je pense que même un Apple, ça peut plaire. Bon bah, c'était MC, la chaîne Lego et son caméraman. Qui vous dit je vais sauter, s'il vous plaît. Merci, bye bye.